Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour ce LP, j'espère que vous allez bien, ça va super, il est actuellement 7h20 du matin, je suis debout depuis plus d'une heure, hein, mais disons que ça fait très mal les jambes, la rééducation, mais bon c'est pour mon bien, donc du coup, bah, j'en profite, tant qu'à faire. Ah, coucou, je suis trop mignon, swag. J'ai changé d'endroit. Alors pourquoi j'ai changé d'endroit? Notamment parce que là-bas, bah, c'est bien beau, mais en fait c'est un peu petit. J'ai remarqué que en faisant une maison qu'on m'avait passée par mail, en fait elle serait rikiki. Il aurait fallu que je mette des pylônes d'eau au niveau de l'eau. Ce qui pourrait rendre plutôt pas mal, hein. C'est pas ça le problème, c'est que ça manquait d'espace sur tout ce que je voulais faire. Donc du coup. Eh ben, j'ai pas fait ici, du coup je suis décalé 600 blocs plus loin pour arriver en fait ici dans un extrême hills qui est super grand, ça c'est super cool, et en plus c'est deux montagnes donc on pourra faire des belles choses, surtout avec des grappins, je n'en dis pas plus, mais on pourra faire des belles choses. Alors, notamment j'ai rajouté d'autres modes, et oui, par-dessus j'ai rajouté des modes, j'ai mis à jour quelques modes aussi. J'ai rajouté Auto Package qui m'a été conseillé et du coup je vais rajouter aussi quelque chose. Oh que c'est mignon! Ben oui, c'est les foresteries. Foresterie est à jour. Donc du coup j'en ai profité. Ah! Elle fait mal la salope! Genre ça travaille. Ah ouais! Genre ça travaille. Et en plus c'est attiré par moi quand elle m'attaque. Oh c'est trop. Oh mais c'est cool. Oh mais c'est mignon. Bah c'est mignon. Non? Mais si. Mais ouais, vous avez compris quoi. En fait c'est mignon parce que ça travaille de jour. Donc ça prouve bien comme quoi bah, les abeilles peuvent travailler que de jour. En tout cas celle-là. Mais non mais c'est cool. Eh franchement c'est bien cool. J'aurais pas pensé que ça le ferait au niveau des ruches. Il a bien avancé le créateur. Je trouve ça classe. Bon vive les bugs de chunk aussi. Hein. Ça doit être petit fine, faudrait que je le change. Mais en tout cas, non, franchement c'est cool. C'est bien cool d'avoir fait des animations sur les abeilles. Eh franchement c'est cool. J'aime bien. Là, ah si, elle est encore. Non, franchement, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Est-ce que quand je vais dodo dans le truc, je vais rebugger? Oui, parce que j'ai bugué juste avant. Non, je bug plus. Avant, bah, en fait, je restais dans le lit, même s'il faisait jour. Et du coup, j'avais des zombies qui m'attaquaient. C'était un petit peu vénère. Je me suis mis en GM, j'ai dû me déco de force du jeu. Ça va, ça a sauvegardé, mais bon, c'était... Les autres c'était un peu chiant. Du coup j'ai tout déplacé, je me suis fait une 4K puisque la 4K bah, c'est quand même plutôt bien, hein. Il faudra faire ce qu'il faut. Je ne sais pas si le créateur a fait en sorte qu'il y ait un système qui permettra de ranger les disquettes pour les compiler. J'en ai parlé un petit peu avec lui au niveau du mode. Refined, il y a bien des comme des lectures, vous voyez comme Applied 1 en fait, il y a des storage bus, les exports, les imports, ça il y a, mais différemment. Pourquoi ce que j'ai fait, il y a un item en particulier qui est l'external storage. Nous on a un bus dans Applied 1, c'est un bus, un storage bus. Bah en fait lui permet de faire la même chose, sauf que il faut aligner celui-ci avec une priorité. Vous mettez en waitlist, en plus vous avez un accès directement à la waitlist de 9 cases comme une interface de base. Vous mettez votre coffre ici et par exemple vous lui dites que dedans, il n'y a que de la cobble qui peut rentrer, qui peut sortir. Vous lui mettez une priorité 500 ou 1000 ou 15 000. Et dans la plaque là, on va pouvoir aller regarder ce qu'il y a là-dedans. Très clairement, je vais vous faire la petite exemple.
Hop. Vous mettez votre coffre. Vous mettez votre cobble. Vous mettez une priorité de 500 si vous voulez. Faut que ça soit une priorité supérieure au drive. Qui est actuellement ici de moins 1. Tiens, hop. Ah, il y a moins 1, ça fonctionne bien. Du coup, voilà. Hop, on fait ça. On prend des câbles. Oui, parce qu'il faut des câbles. Vous le connectez. Vous faites ce que vous voulez avec, mais vous le connectez. Pouf! Il n'y a pas, en plus, il n'y a même pas de channel, donc du coup, vous êtes tranquille au niveau de ce truc. Il y en avait beaucoup qui voulaient pas de channel dans Half-Life 2, mais en fait, c'est tellement mieux. Ça vous permet de faire des réseaux très compliqués et à la fois simples. Et maintenant, vous avez la lecture d'une cobble. Vous avez une cobble ici, tac, tac, hop, on prend de la cobble, et on l'a pu. Maintenant, quand on va le remettre, pouf, ça va repartir dans le geste. Voilà. C'est comme ça. Et actuellement, vous voyez, oh, ça c'est cool, il y a même la quantité d'items que vous pouvez mettre dans un chest. Actuellement, il y en a 1728. Oh, c'est cool. Ah, c'est cool, 1528. 1728 cobble là-dedans qu'on pourra mettre. Ah, c'est cool. Elles font... Ah, mais... Ouais, je dis tout de l'an, c'est cool, mais en fait, c'est vraiment cool. Et... en iron, on peut en mettre combien, tiens? Hop. Alors, on en a 1728. 1356. Oh, et c'est tellement cool, on peut faire tellement de choses. Oui! Iron to silver. En gold, on en a 5184. Et après le gold, nous avons le diamant. Hop. Merde, il va manquer de sable. Oh, c'est un peu con ça. Ça va manquer de sable. Merde, c'est de l'attelé ici. Il me faudrait le générateur de cobble. Hein. Parce que c'est tellement bien, mais c'est tellement chiant quand on n'en a pas. Je te pique ton sable, temporairement, je te le rendrai de toute façon. C'est juste pour faire un coffre en... Oh. Hop. YOLO. Voilà. C'est juste pour avoir la génération de... Parce que... Ah oui. En plus, il y a même le point d'interrogation comme quoi il t'indique que tu es en baisse d'énergie. Ah, c'est plutôt cool ça. C'est plutôt cool. Pouf. Hop. En diamant, YOLO. Ça, je vais me les enlever, ça va plus me péter le fion qu'autre chose. Tac. Donc, on en était à 5184. Et maintenant, nous en sommes à 6912. Franchement, c'est cool qu'on puisse voir ce qu'il y a dans le chest, la capacité du chest. Et ça, franchement, c'est cool. Ça, j'aime bien. Tiens, petite question. Je suis en train de me poser la question. Je vais prendre les larmes de gage. Je vais les foutre là-dedans. Est-ce qu'il va les lire? Ouais, il va les lire. Ah, j'aurais espéré qu'il me les lise pas en fait. Et est-ce que je les remets là-dedans? Il va les mettre là. Non, il va pas les mettre là. Ok, donc ça c'est plutôt un bon point en fait qui permet tout simplement. De faire ce qu'il faut. Donc, non, ça va, c'est plutôt cool. Franchement, c'est bien cool. On va pouvoir faire des bons petits réseaux. En plus, vu que c'est illimité au niveau des... Comment, des partitions. On peut appeler ça des partitions. Donc, du coup, je suis un peu tranquille, en fait, au niveau des câbles. Ça, c'est cool. Notamment vu que j'ai dû générer du nouveau biome parce que j'ai comment j'ai comme j'ai foresterie maintenant dans les capacitors avant il fallait du gold. Bah maintenant il vous faut du copper, bah oui le fameux copper de foresterie. Donc du coup ce qui veut dire que Cisaguichon il faut que j'aille miner du copper. Voilà. Donc bon je vais faire de toute façon tout ce qu'il faut. Mais voilà, je reprends plus tard avec vous pour continuer un petit peu notre réseau et pourquoi pas faire notre première fondation.
Donc, bah plus tard. Heureux et heureux, du coup, il s'est passé environ plus de 6 heures entre 7 h du matin et puis là actuellement qui est 14 h. J'ai bloqué le soleil volontairement parce que j'étais en mode AFK, sachant que entre-temps j'ai rajouté des mods. Oui, pourquoi? Parce que un joueur m'a mis, un abo plutôt, m'a mis sur Twitter comme quoi Tinker est à jour, donc Mantle avec, forcément c'est son, on va dire c'est son corps, entre parenthèses. Et il y a IC2 qui est mis à jour également, un 9.4 en alpha ou bêta, je ne sais plus. Et du coup, bah, je les ai rajoutés. Du coup, ce qui donne que bah, j'ai bien IC2 qui est installé. Et j'ai naturellement qui est Tinker qui est naturellement mis. Alors il a pas mal changé Tinker, surtout il y a les accès en clé. Il a rajouté comme quoi la clé pouvait fondre. Mais voilà. Voilà. Il y a Tinker, il y a pas mal de choses qui a été rajoutées. Mais c'est sympa. Donc le modpack commence à devenir assez complet. Faut dire ce qui est et c'est super super beau. Donc voilà. Ceux qui veulent faire le mod pack, parce que je viens de voir sur Twitter, si vous mettez les mods comme ceci, possible qu'il y ait un crash au début, relancez. Et ça devrait le faire. N'oubliez pas de mettre l'Optifine, le jar d'Optifine, l'universal, et non l'installeur d'Optifine. Donc ça c'est à bien faire en compte, mais sinon le modpack est le ultra stable. J'ai pas eu un seul crash depuis que j'ai installé tous les mods. Donc ce qui est quand même assez rare pour un modpack. Et en plus un 9.4, donc raison de plus, c'est quand même mieux. Du coup, moi j'ai pas mal, j'ai un petit peu avancé en off. Du coup, lui, il tourne, il tourne, il tourne. Je le mettrai prochainement, je dis bien prochainement, en système avec DRF pour qu'il soit en mode auto. Mais il y a encore un petit problème, c'est que je voudrais bien en fait auto-repair la hache ou l'injecter automatiquement. Cependant, il faudrait que je l'injecte sur le côté, je pense, ou en dessous. Mais pour l'instant, je n'ai pas ce qu'il faut. Ouais, je pense que c'est en dessous qu'il faudrait que je le mette. Que je mette un petit truc en RF en dessous, en importe. Ouais, peut-être que je devrais faire ça. Et puis, vu que ça insère aussi en dessous, le charbon. Ouais, je mettrai des haches en fer. Il faudrait que je mette le. Tiens, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble, ça va être plus simple. Pour qu'on puisse avoir un petit contenu quand même, hein. Il faut dire ce qui est. Tac, tac. Alors, du coup, on va creuser de 3 du coup. Voilà. Bon, je mettrai un. Ouais, je mettrai des. Comment c'est pas de la stone. Tac. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah, du basalte, tiens. Ça peut être pas mal le basalte pour ça. Pour tout tour, je pourrais mettre du basalte. Alors, pourquoi je mets du basalte comme ceci? Ah, d'accord. Hop. Je rajoute juste ça. En fait, je vais faire tout le tour. Ah, je vais trop vite pour le coco et des fois j'ai des bugs du coup. Alors, pourquoi je mets ce basalte là? C'est tout simplement pour délimiter la ferme pour l'instant. Hop, on y reviendra de toute façon pour plus tard. Ce que je vais faire, je vais même faire plus simple. Je vais carrément faire un petit trou comme ceci. Yolo. Et on va vraiment délimiter entièrement la ferme. Ceci pour qu'on puisse faire ce qu'il faut avec ce qu'on a en dessous. L'avantage c'est que je récupère aussi du coup tout ce qu'il faut. Donc je vais en mettre une là, une là, une là, une là pour bien éclairer le bazar. Faut trouver l'intersection qui se trouve ici. Ah bah non, raté. Ça se trouve pas là, ça se trouve ici. Ah bah oui, hey, je suis con. J'ai oublié un trou. Bah j'ai oublié un cube plutôt. Tac et tac.
Voilà. Et ici, voilà. Voilà, largement mieux. Hop, hop. Et il me manque juste de cube. Voilà. Comme ça, j'ai correctement. Du coup, j'ai un accès direct en dessous. Hop, ça c'est bien. Alors pourquoi j'ai jeté ça? C'est tout simplement que je vais en fait, hop, garder la hache comme ça. La garder à une durabilité parce que je vais tester en fait un petit système qui va me permettre comment de pouvoir auto-repair mes cocos. Non, il faut pas que je le mette là. J'ai un four. Non, il me faut pas un four, il me faut un chest. Alors j'ai un système ici que je suis en train de faire. Je suis en train de faire plutôt un comment comment je pourrais appeler ça? Un comment? J'ai mis un solar panel au-dessus. Du coup, j'ai bloqué avec le soleil, mais bon, c'est pas très grave. Mais c'est surtout voilà, au niveau de, je suis en train de tout faire fondre, tout faire cuire en même temps pour que ça soit correct. Du coup, ça c'est bon, ça c'est bon. Me faut les conduites et filtres. Alors, conduite, filtre. Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement. D'ailleurs, je devrais mettre un deuxième chest en parlant de ça. Hop. Parce qu'on va faire ça dans les règles de l'art. Hop. Alors, j'insère, j'extracte. J'insère, j'extracte. Je mets un filtre, surtout. Alors, j'extracte. Ouais, je vais extraire seulement la hache. La hache endommagée. J'espère que ça fonctionne avec le NBT. Sinon, il y a la version supérieure, mais dans l'immédiat, je ne vais pas la mettre. Parce que je n'en ai pas forcément besoin. Ici, on va mettre tout ce qui est. D'ailleurs, en parlant de tout ce qui est comme ça, on va plutôt le mettre d'un autre côté, comme ceci, voilà. On va mettre les deux coffres ici. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ici, on va implémenter et extraire en même temps. Alors, hop, insert. Tuc. Une hache normale, donc il faut que je la repère, cette hache. Hop. Elle est partie dedans. Elle est auto-partie dedans. Donc ça c'est un peu. Oui, forcément, en extract. Je devrais juste faire en sorte que. Voilà. L'extractation ne se fasse pas. Putain, j'ai vraiment du mal. Hein. J'ai vraiment du mal. L'extract. Pouf. Je vais mettre un cube de terre, normalement. Voilà, un cube de terre ne fera rien. Tac, je vais juste aller chercher le talisman de repair. Tac, que je vais foutre ici. Donc, normalement, ça va réparer. Ah, il y a durabilité de 0 par contre. Pouf. Durabilité de 1. Durabilité 2. Ah, ça ne fonctionne pas. Ah, peut-être que ça fonctionne pas dans ces chests-là, mais ça fonctionne dans d'autres chests. Ah, je vais tester l'alchimique. L'alchimie call chest. Chest. Chesty. L'alchimie call chest. Peut-être. Ah, putain, il faut un diamant. Non, j'ai pas le diamant. J'ai pas de diamant. J'ai pas de diamant, j'ai plus de diamant, fuck it. Fuck it, shit. En plus, j'en ai très peu dans le coffre. C'est fou. Ici, bah, j'extracte en fait tous les charcoal en fait. Ouais, ça extracte largement bien en plus. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc ça voudrait dire que je pourrais faire un système comme quoi que... Ouais, je pourrais même faire un beau petit système d'ailleurs. Je viens de penser à ça. Je vais pas le mettre ici cet item en fait. Hop. Je vais foutre juste une torche ici. Pouf. Je vais passer. En fait, je vais tout extraire en dessous.
Est-ce que ça va faire en sorte d'extraire ça ou ici? Je ne sais pas. Je vais extraire le bois, les saplings, les pommes. Voilà. Les bois, saplings et pommes. Et je vais tout passer ici. Également, il va me falloir un autre filtre pour dire qu'il insère tout ce qu'il y a là-dedans, mais seulement en bois, machin et autres. Ouais, bon, ça c'est déjà bien. Ça c'est déjà un bon point. Ou pas. Pourquoi il insère ici? Oui, priorité moins 2. Insère, priorité moins 1. Pourquoi il veut pas? Ah bah oui, parce que j'ai déjà tout mis. tac, hop. Il me faut deux autres filtres. Un que je bloque ici pour lui dire d'insérer Ah, je devrais tout extraire ici. Ouais, parce qu'il peut pas. En fait, il peut pas extraire ce qu'il faut. C'est lui. Lui, je dois insérer que ça. Donc, je peux le laisser en bloc comme ceci. Ok, l'extract se fera qu'avec une hache normale. Comme ça, lui, il va pas partir ailleurs, en fait. Donc, l'insert, en fait, si je fonctionne bien, ça ne part là, ça ne part pas là, ça partira ici. Donc, c'est bon, tout fonctionne correctement. Faut juste que je me refasse un petit filtre qui va me permettre, en fait, tout simplement, de faire en sorte comme quoi... Tac. Qu'est-ce que c'est bien, Applied? Bah, la version là, surtout. Hop. Comme quoi, en fait, j'interdis, ou j'autorise, on va faire plutôt que j'autorise, en fait, le bois, les saplings et les pommes. Voilà. Le bois, sapling et les pommes. Ce qui veut dire que, normalement, quand, du coup, je vais mettre un alchemical chest ici, ça va faire en sorte que lui va se réparer. Dès qu'il sera prêt à être réparé, il sera éjecté. J'aurais mis une hache complète ici. Faudrait que je me remette peut-être un filtre avancé plutôt. Mais sauf que c'est un Z-Controller. C'est assez cher. D'ailleurs, c'est peut-être pas si cher que ça. Je pourrais peut-être le faire. Hein. C'est juste de papier. C'est une hache en diam, ce que j'ai déjà. Ça, c'est pas trop un problème. Des chires, j'en ai largement. Faudrait un slice. Slice. D'ailleurs, qui coûte pas cher du tout. Ah, bon, on va le faire. On va le faire ensemble. On va le faire tranquillement. On va le faire. On va le faire. Donc, il me faut du gold. Obligatoire. 5. Bon, faut 5 plus 2, je crois. Hop. Et la soul sand. Oui, c'est bon. J'en ai récupéré. Hop, tac tac tac. Voilà. Donc là, ça cuit tranquillement. J'ai plus de charcoal, de coal. C'est pas très grave. Je vais utiliser ça en priorité max. Tac tac. Ah oui, d'accord. C'est bien. Ça me rapporte pas mal de cobalt. Ça, c'est plutôt un bon point en fait. Ça veut dire, ça va avancer. Dans le système global, je suis à 49% full. Ah, ça va. C'est plutôt tranquille. Heureusement, j'ai rajouté une disquette de 1K parce que sinon je serais déjà limite à 78%. Là, je suis à 49%. Mais c'est franchement, c'est bien. Ils devraient implémenter ça dans le nouveau Applied, dans le vrai Applied. À tester. Tuc, tuc, hop. Du coup, bah ça c'est bon. Lui, bah, il est en train de faire son petit coco. Normalement, il nous faut une Iron Axe. Donc on en reprend une. Il nous faut une shear. Hop, on en prend une. Ouais, ou sinon, ici. Ouais, je verrai ça plus tard, par contre. Je verrai vraiment ça plus tard. Pour l'instant, il me faut une tête de zombie.
aide. L'avantage c'est que j'en ai déjà beaucoup. Et des... Ah oui, le casing à l'intérieur. Hop. Ça va, j'ai quasiment plus rien en plus. Voilà. Non, tête de zombie s'il te plaît. Alors j'en ai déjà 3. Les 3 qui vont là normalement. Et les 2 du haut. Plus une hache et une chire. Qu'il faudra de toute façon en refaire une obligatoire. Parce que on en aura besoin pour mettre à l'intérieur. D'ailleurs c'est pas une hache en diams à l'intérieur. Si c'est le cas j'en ai déjà une. Faudrait que je les augmente, parce qu'ils sont assez longs quand même. Ah voilà. Hop, le temps que ça se fasse. Pouf. J'ai ceci. Bon, ceci, ça me coûte quand même un petit peu un bras. On va dire un bras, parce que ça coûte quand même pas mal cher. C'est à 100 000 RF. Que je vais mettre là, comme ça, lui, il va pouvoir descendre en énergie. Bon, ça va, ça se remplit plutôt vite. Et du coup, pour faire un filter avancé. Non, filter avancé. Ah d'accord, c'est n'importe quel type de hache. Ok. Chire, normal. Ok, mais ça c'est cool. Des chires. Alors, hop. Des fires, 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 pouf. Voilà, j'ai ma hache déjà ici. Ça me suffit largement, tac et tac. Et du coup, je vais pouvoir faire ma Z-Logic Controller. Donc, une tête, une redstone. Aide. Deux redstone, je crois. Silicone. Deux. Normalement, c'est juste ça. À confirmer, d'ailleurs. Ouais. Et du solarium. Ok, donc tac tac, 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 tac. Ouais, ça se fait, c'est magnifique. Oh, mais c'est cool les particules, ça a pas mal changé ça. Ah, oh, qu'est-ce que c'est beau. Oui, j'ai mis Wild là en haut à gauche. Hop, un filter, un Z-Logic Controller. Hop, papier machin, non. Un stack de papier, je sais pas ce comme quoi il me manque ça. Hop. Cette logique contrôleur. Ah merde. Ah bah oui, je suis con. Ah je suis con. 4 durabilité, faudrait que je la mette pour qu'elle en coupe. 3. 2. 1. Voilà, je la reprends. Ici, je... Ah, il faudrait que je refoute un... Ah non, c'est ici que je dois mettre. Pouf. Hors dictionary, fusil, NBT, tag. Voilà, tu extractes à 1. Ah, il m'en faudra peut-être un deuxième, du coup. Tu extractes... ici tu dois insérer. Ouais je l'ai rajouté là-bas. Va m'en falloir un deuxième de toute façon. C'est vrai qu'il va m'en falloir un deuxième. Donc on va en faire un deuxième. Je pensais que ça m'aurait fallu un peu moins. Mais en fait non pas du tout. Call head. Tête de zombie. Redstone. Bon, alors, je vais déjà mettre ça à cuire. Ah putain. C'est vrai que j'y pense jamais que ça va me faire du verre. Ah non. Ah ça me fait du soul shard. Ah bah on en aura besoin pour faire des... Oh bah c'est cool tiens. Hop, yolo. Donc ça, bah ça c'est bon, j'ai ma tête de zombie, j'ai ça, j'ai ma... c'est pas redstone, c'est quoi? C'est silicone. Tuc tuc. Hop. Solarium. Oh,
un diamant. Oh cool, je vais pouvoir faire l'alchimical chest. Hop, hop. L'alchimical chest. Oh ça c'est cool, je vais pouvoir le faire. En tout cas, j'espère que ça va fonctionner. C'est surtout ça qui me fait un peu peur. C'est est-ce qu'il va fonctionner? Dans le principal des cas, normalement, oui. C'est où? C'est ici. Pouf! Donc, bah ça descend tranquillement, ouais. Hop! Tac, tac, ça a beaucoup de durabilité, c'est cool. Ma petite tête qui va bien. Hop, hop. Voilà. Mon advance. Alchimical chest. Palam bam bam. Pouf. Alors oui, forcément j'ai eu l'achievement gate. Ce qui est tout à fait normal. Du coup. Lui, on va le retirer. On va le mettre à lui. On va le mettre là. Forcément, j'ai un basique aussi. Alors, ici, là-haut, je lui ai dit d'extraire ceci. Ok. Donc, là-dedans, tu dois insérer ceci. Ok. Ajouter un. Et tu dois extraire la hache, mais complète. Il m'en faudrait encore un. C'est ça qui est chiant, c'est qu'il m'en faudrait un autre. Mais dans les médias, on va faire ce qu'il faut. Et voilà. Dans ce genre de chest, ça fonctionne. Ça, c'est plutôt cool. Du coup, tu insères. Et d'ailleurs, en parlant de ça. Ça sert trop à rien de me mettre. En fait, j'ai ça. J'insère. Mais je devrais en fait juste insérer la hache. En fait, lui dire que la blacklist se fait. Comment? Ça va. En fait, ça va être mieux. Vous allez voir pourquoi. Tac. Ça, je la garde. Insert. Tac. Whitelist. Blacklist plutôt. Tac. 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 Et tac. Je blacklist tout. Tout à fait normal. Tac. Je ne pars pas là-dedans, ni là-dedans, parce que ça va directement là-haut. Ici, j'ai whitelist ça. Donc, maintenant, vas-y, coupe. Des petites bubuches. Avec un petit épisode un peu long, mais bon. En fait, on va paramétrer comme quoi ça peut couper à partir d'un moment et ça ne coupe pas dans d'autres moments. Quinze. Alors pourquoi ça n'aspire pas? Ah bah oui, je suis con, il faudrait peut-être que je lui dise de d'extract aussi. Ah, c'est pas con. C'est pas con du tout. Donc tu insères. Tu blacklist tout, donc lui. Il va extraire normalement. Et attends, je vais le coupler plus vite parce que ça commence vraiment à être chiant. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Voilà. Apprends à compter avec épée. Donc, normalement, j'ai mis whitelist à 1. Ok. Donc, il va partir là-dedans. Il va arriver là-dedans. Il va s'insérer obligatoirement. Ensuite, je lui dis d'extraire. Tout simplement, pas ça. Mais ça. Mais d'extraire pas celle-ci. Je vais pas lui demander d'extraire ça. Je vais lui demander d'extraire en fait la hache complète.
Donc, ce qui va faire en sorte que, bah ça, je vais me la repaire, tiens, je vais en refaire une, pouf. Juste en refaire une pour le lols. Je lui dis de m'extraire que ça, dans le NPT. Donc ça voudrait dire que lui va se réparer. Donc les repairs là, je vais m'en faire plusieurs, parce que c'est très intéressant. Et forcément, j'ai pas ce qu'il faut. Allô, oui, j'ai besoin de petits strings, monsieur, merci. Tac, tac, tac. La hache qui coule, ça, je mets ça là, je mets ça là. Mais ça là, soit j'en ai plus besoin. Petite hache qui va bien. Donc normalement, je vais avoir que du string. C'est cool. 5, 6, 7, 8, 9 et un 10. Pourquoi j'en ai fait 10? Parce que ça va repair de 10 en 10. Voilà. Tiens, je vais le laisser là. Hop. Donc du coup, ça repair très très rapidement. Et une fois que c'est réparé très rapidement, du coup, à 250, normalement, il l'absorbe. Voilà, il absorbe, il est reparti dedans, et dès qu'il va revenir à une durabilité qui se trouvera ici, alors il sera extrait, renvoyé dans ce chest, parce que je lui ai tout laissé sauf tout laissé en blacklist sauf ça. Du coup, il va le remettre dedans, il va le réparer encore. Et une fois réparé, il va repartir. En fait, ça évite de bouffer des tonnes et des tonnes et des tonnes de fer. Tout simplement. Donc voilà. Bon. Bah du coup, on va pouvoir se laisser là. Ce fut bien... Bien chiant en même temps, mais plutôt sympa. Pourquoi lui, il l'extrait pas? Ah oui, j'ai oublié de lui dire d'extraire ce qu'il faut. Oui, forcément. Ça va pas le faire sinon. Donc, tac, tac, tac. Voilà. Pouf, pouf, pouf. Lui, il n'y a rien. Dedans, il va y avoir des... Tout là-dedans, en fait, il va y avoir ce qu'il faut, ce qu'on appelle du coal, du charcoal. Donc, en fait, je peux prendre ça. Ça va, du coup, partir dans les foufours. Voilà, bon, ça cuit plutôt rapidement, donc ça c'est cool. Les torches, il faudrait peut-être que je m'en refasse d'ailleurs. Voilà. Je m'en suis refait, je suis content. Tac, voilà. Bon, bah voilà. Ceci étant fait, lui, bah tranquillement. Faudrait que je mette en place le petit système qui va bien. J'ai le nombre de strings ici. Lui, il coupe. Lui, il se charge. Mais il va se faire ce qu'il faut. Lui, je le coupe. Bah, lui, ça va faire ce qu'il faut. Paf, je vais en rajouter. Hop. Hop. Du coup, quand je vais retourner là-dedans, je vais les déposer. Et ça va les aspirer. Voilà. Et du coup, lui, il reste à 6 parce qu'il n'en a plus besoin là-bas. La hache qui se coupe va redescendre à une durabilité de 1, sera aspirée, réparée, réinjectée. Et tout ce qui est en sapling, en oak et en apple, bah, tout va partir en fait là-dedans. Et ça, c'est cool. Ça, franchement, c'est vraiment cool. Ça va pouvoir faire ce qu'il faut, du coup. Voilà. Allez, bah sur ce, moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, dites-moi si vous avez des interrogations sur diverses choses. Et du coup, bah moi je vous dis à plus tard. Bisous bisous. Comment on arrête?